Oui, nous saluons et remercions à la presse qui vient couvrir la conférence de presse matin, comme tu as dit à midi. Et la conférence de presse a une bonne importance. L'importance, c'est le fait que gagner Santa Cabrelli des mauvaises informations, des déformations qu'a fait sous question de rencontre avec l'OEA. Nous croyons que c'est une bonne opportunité et un bon moment pour nous bailler éclaircissement sur question. Un, on a dit que nous te recevoir une invitation de la part de l'OEA pour participer à une rencontre avec une mission spéciale qui rentre dans le pays. L'ente analysé en quelque sorte invitation contenu ça vient la donne comme thème de référence etc et ça le représenter dans conjoncture politique du dia après discussion pour décider pour participer la donne et n'a dit nous participer la donne parce que nous te renouvelons que c'est pas une mission et Almagro secrétaire général OEA qui déjà a une position que l'a soutenu le président de facto. C'est une mission qui fait à partir de ça qui aurait une résolution que le conseil permanent l'OEA a pris, l'EOT fait des critiques en règle sous gouvernance de Jovenel Moïse. Et il faut moi dire tout que la mission ça a manqué pas fait parce que des grandes pile discussions parce que Yote pensé, moun ki sous position Jovenel Moïse, yote quoi que fort mission ça a pas fait. Parce que ce n'est pas une mission qui t'a fait un avantage. Et bien, après discussion entre vous-même, vous finissez par faire mission ça. Et c'est le cas de ça qui fait nous-mêmes dans le baptisme. D'entre Dieu, nous a dit dans la mission ça, moun ki vit dans la mission, de gagner environ 5 moun, de gagner. Et ambassadeur grenadine, de gagner ambassadeur américain, canadien, et équatorien, et Costa Rica, qui est là. D'entrée de jeu, il y a demandé nous pour nous prendre engagement vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis des élections par rapport aux élections. Eh bien, d'entrée de jeu, à la papote, nous disons, nous ne venons pas là pour discuter à faire l'élection. Nous disons, pliez ça, nous ne sommes pas venus là pour discuter aucune question d'élection. Et avec force que nous disons. Et nous disons que la présence nous là, c'est deux raisons. Un, parce que nous connaissons que ça a son mission de conseil permanent l'OEA qui vient là pour une autre cause. Deux, nous venons là pour exposer Santa Cabrelli, point de vue nous. L'étupane de la crise qui est là et pour de telle sorte que vous cap aller avec des éléments nouveaux que c'est pas parole et pouvoir cap intoxiquer tous les jours que c'est celle parole ça qui attendez nous voulons faire autant nos paroles neuves nos paroles qui correspondent à Santa Cabrelli la réalité politique sociale et économique donc dans ce sens nous disons tout d'abord la crise haïtienne aujourd'hui, il y a deux composants. Un, il y a un composant conjoncturel. Deux, il y a un composant structurel. Sur le plan conjoncturel, nous disons que Jovenel Moïse, qui gagne un mandat fini depuis 7 février 2021, suivant l'article 134.2 de la Constitution et l'article 239 décret électoral 2015, dans deux documents qui constituaient le cadre légal qui était organisé élection qui déportait Jovenel Moïse au pouvoir, il dit mandat, monsieur fini. Et nous disons que toutes les institutions en un pays, les forces en un pays, que c'est l'église catholique, l'église protestante, CSP, les majorités partis politiques, l'université, etc., même des universités aux États-Unis, des grandes universités aux États-Unis, analyser documents et dit que mandat, monsieur fini. Donc, à partir de ce moment, nous dit le 7 février, Jovenel Moïse qui font coup d'État contre la Constitution et contre le peuple haïtien. Nous demandons, est-ce que nous sommes prêts pour nous soutenir ça? Pour nous soutenir un coup d'État? Pour nous qui fait un coup d'État pendant que nous disons que nous sommes des organisations qui défendent
cap défendre droit monde, cap défendre la démocratie. Donc nous dit que dans phase nous relé et crise conjoncturelle là, pour résoudre li, il faut qu'on évacue Jovenel Moïse de du palais national. Donc nous même nous dit ça son bagage qui inébranlable pour nous, nous pas rien nous pas le faire avec Jovenel. Pas question de parler d'élection avec Jovenel. Et ben ça nous pas argumenter. Nous montrer comment nous faillons payer. Monsieur Fonmé mise en quelque sorte sur le pays, sur tout l'État, toute structure de l'État. Donc, pareil, qui j'ai pour nous faire une élection avec un pareil. Mais en dehors de tout ça, nous sommes dans une situation d'illégalité. Donc, je ne sais pas si on est illégal, et puis je vais ajouter à une élection. Pour une fois élection, je dis, pour nous, ça un bagage, nous ne pouvons pas parler de ça. Et nous disons, deuxième élément, deuxième phase, crise là, qui sont crises. Et nous dit structurel, et bien, phase ça, nous comprenons bien, il faut entrer dans ça, nous avons un dialogue entre les différents secteurs de la vie nationale, que ce soit secteur privé des affaires, secteur politique, secteur de la société civile, les églises, des intellectuels. Il faut nous chiter ensemble. Il faut nous chiter pour nous discuter pendant plusieurs jours, et même moi, pour nous dire qui ça n'a fait à payer, qui ça n'a fait avec 27 750 km2. 12 millions de monde, plus de 80% là, ils n'ont pas à manger, tu vois, ils sont pauvres. Donc, qui ça a fait pour Haïti, vivre un pays côté tout le monde qui a gagné l'espoir là. Là, il y a un gros dialogue, un gros chita pour parler entre les différents secteurs de la vie nationale. Parce que l'Haïti d'aujourd'hui, c'est notre échec. C'est l'échec, nous, c'est nous qui mettons là. Haïti n'a pas marché et pour arriver côté de là. C'est nous-mêmes qui prenons responsabilité dans la mauvaise gouvernance, dans le mauvais comportement, nous mettons Haïti côté de là. Donc c'est nous-mêmes qui vous chita pour nous retirer là. Donc, discussion tournée autour de cette situation, la situation économique, la situation d'insécurité, etc. etc. Et nous ne pas brancher. Donc pas pour dire que là, le premier pas qu'il vous fait, c'est le départ de Jovenel Moïse. Et c'est là ça que nous avons parlé d'élection en un pays. Parce que pour nous, pendant ces 30 dernières années, nous mettons même 7 présidents au pouvoir et chaque fois nous mettons un président, le pays a une vie mal. Chaque fois nous faisons une élection, il sortit, on est écrasé. Donc par conséquent, nous bagaille pour nous régler, nous ne pouvons pas pour faire élection sous tête, même bien qui est international a forcé de faire élection. C'est pour nous créer les conditions, travail pour nous créer les conditions de telle sorte que nous avons des élections qui feront servir pour créer ça, la stabilité politique de ce pays qui va nous amener à s'attaquer le développement économique, social et en d'un pays. Fond le pays dans l'intérêt de tout le monde. Voilà en quelque sorte ça qui effectivement débattu côté nous camper gélangé avec les représentants de l'OEA pour nous discuter ça et bail position nous et défendre. Bien sûr, nous te dit nous pas prêt attaquer l'OEA pour dire mais ce qu'on fait etc. etc. Nous pas nous te dit bah ça pour nous l'hystérie, c'est pas ça qui intéresse. Ça qui intéresse c'est dire nous mêmes mes positions mais ça n'a pas cherché mais ça ne veut que nous mêmes c'est pas à prendre chercher petit pouvoir dans question transition que il a mis des sous l'opposition qu'il faut. Et l'opposition n'est pas cherchée, la chercher grand pouvoir dans la transition. Nous disons non, nous voulons créer les conditions pour gagner des élections et que l'élection va servir le pays. Ce n'est pas un mode d'élection qu'on a fait depuis 30 ans. Voici en gros ça nous défend, changer avec force de caractère en face de l'OEA. Merci. Nous redil OEA pour conseil permanent après résolution des points et va inviter là pour nous devenir discuter l'élection. D'abord, on n'a pas l'élection de Jovenel Moïse. Et de 3h10, les à la papote nous disent ça, à 5h moins 5, eh bien, il a parlé de comment Jovenel doit aller. Est-ce que si une commission de facilitation, est-ce que nous sommes d'accord? Nous disons depuis Jovenel aller, nous prêts avec tout. Secteur en APIA, l'opposition compris, pour nous jouer une solution. Mais la solution, c'est d'abord le départ de Jovenel et ensuite Chita avec tout le monde. Le temps pour nous faire l'accord que nous, les 5 partis politiques, le 5 juin 22 à Pénouguerre, que les SAN avancent, les 6 groupes politiques. 1. Le départ de Jovenel. 2. Un premier ministre consensuel. 3. Un autre CEP. 4. Mettez des structures pour
les procès Petro-Caribé, procès et massacre, et sécurité, et les ça, seulement, n'a pas d'élection. Donc, dans la conférence nationale. Donc, c'est ça, en clair, nous dit. Et pour me répondre directement, de 3h10 à 5h moins, eh bien, question a changé. OEA a commencé à dire, il a, nous c'est membre, il est venu s'informer, et Alba et Rapoli, et pour connaître qui solution ensemble nous capables. Est-ce que nous sentons grandi en tant que politiciens? Nous capables de dire depuis environ plus de 30 ans, c'est toujours comme ça, après chaque 4 ans, chaque 5 ans, il faut que nous mission qui est dans le pays pour venir mettre la paix, pour ça nous faire. Comment nous sentons en tant que politiciens quand faire politique depuis quelques par contre, qui radio? Par contre, qui radio? Radio Goukman. Jodian a parlé de. Une rencontre, une invitation que nous venons d'envoyer, hein? Nous venons d'un rapport et nous avons discuté sur l'avenir. Quelle est la solution pour Haïti? La solution pour Haïti, il faut que je vienne aller. Et là, je vais venir aller pour nous un premier ministre consensuel avec tous les secteurs et pour nous mettre un autre CEP, une structure pour les procès et comment nous allons faire conférence là, ou bien dialogue. Pour nous capables de l'autre projet pour l'autre Haïti. Donc c'est ça. La question pour moi, ce n'est pas la question, c'est la réponse à la question. Moi-même et la DICOD, nous-mêmes qui allons représenter, c'est notre réponse à votre question. Merci. Merci pour la question. Moi, je pense que sous question OEA, il y a des gens qui font présence physique, il y a des gens qui font présence par écrit, virtuel, par écrit. Donc, le secteur démocratique, là, il voyait dit exactement ça le média. Eh bien, il faut déplacer à dit ça le média. Merci. Et mercredi, comme c'était la dernière question, Écoutez, moi je pense que le sénateur Sorel sur le palais de l'amendement, quand il dit dans la deuxième partie, le OEA a venu parler de l'élection, nous dit non. Et nous dit que on crise et que le premier point de la résolution de la crise, c'est le départ du journaliste. Et que dans ce sens, OEA a venu regarder la question en l'autre gens. Mais pas oublier. Il y a plusieurs groupes pour les rencontrer. Ce n'est pas un seul groupe que nous avons rencontré. Donc, l'idée à 5 heures d'apprécier le groupe, jeudi, donc nous pensons que il y a fait justement une idée de crise là, puisque fois ça, c'est des documents, c'est des papiers que nous devons remettre. Et nous pensons immédiatement que vous faites idée, ils vont aller dans le sens de l'histoire. Comment vous pouvez se départ de Moïse? Écoute, son commission qui vient capter en pile monde, il va répondre au point spécialement. Il
yo répond à partir de méthode yo te gagne pour aborder crise ça yo te penser c'était élection nous dit non et nous penser que jodi a n'a expliquer au profondeur crise là c'est sous ça yo parler mais yo n'a point yo de résolution de crise c'est pas je vais vous deuxième point la question écoutez nous gagnons environ 6 entités politiques. Il y a une certaine évolution qui fait dans l'avancement de la crise. Là. Et je dis à nous réunir, des commission qui a rencontré et Mécène, qui parlait avec elle, m'a donné réponse Mécène. Il n'y a pas jamais constitué un obstacle à la résolution de la crise. Et nous avons vu aussi. Donc, je vous dis que nous avons appel que dire pas besoin de lancer tout par rapport à tout le monde qui est victimatisant. On appelle de solidarité. Parce que au niveau de la diopole, nous-mêmes, nous pensons nous, pour que Mounio nous aide dans le sens sportif Kafoua et gagner en commission qui va le déplacer pour aller dévouer. Et nous profiter de demander à toute force du pays pour que nous aider Mounsayo qui est victime de l'insécurité jovenel là, de banditisme d'État et qui l'a deux bras balancés. Dans ce sportif là, donc nous lançons un appel de solidarité et vos commissions avec un tête qui boiron qui va le déplacer pour les. Merci. 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 Merci.